Aujourd'hui, on ne forme pas le gouvernement de la CAQ. Aujourd'hui, on forme le gouvernement des Québécois, de tous les Québécois. C'est quoi le problème avec le taxi? Ce matin, les gens de l'industrie du taxi se sont réveillés en lendemain de veille, assommés par le projet de loi déposé hier par le ministre des Transports. Pourtant, ils les avaient rencontrés récemment, ils leur avaient promis un projet de loi équitable, un projet de loi soucieux de leur réalité. Eh bien, c'est raté. Ces pères et mères de famille ont tout sacrifié. Ils se sont saignés à blanc. Ils se sont endettés. Ils ont respecté toutes les lois qu'on leur avait imposées pour aujourd'hui se retrouver sur le carreau, sans avenir et sans retraite. Pourquoi Québec persiste et signe le projet de loi 17 ira de l'avant? Le désespoir, l'énergie du désespoir, c'est très dangereux. C'est arbitraire, c'est brutal, il y a des vraies conséquences pour du vrai monde, qui ont respecté les règles. J'ai plus rien. Mon seul héritage que mon mari m'a laissé, je le vois être disparaître. Son mari, Georges, est décédé le 23 décembre dernier d'un cancer du pancréas. En 2014, il a acheté un permis de taxi à Terrebonne, au coût de 203 000 $. Il voulait ainsi assurer l'avenir de ses deux garçons. Selon sa femme, il a travaillé jour et nuit pour se le procurer. Même quand la maladie s'est pointée en 2016, il a tenu à garder son permis pour aider sa femme et sa famille quand il ne serait plus là. Même après l'arrivée d'Uber, mais il ne voulait pas, il me dit ça c'est pour les enfants, c'est pour le futur de nos enfants, laisse-la comme ça. Je vous demande de sortir de vos bureaux, d'aller sur le terrain, de rencontrer, d'échanger avec les citoyens. Les gens qui ont décidé de mettre leur argent, leur économie pour se conformer au cadre législatif. Alors si d'un coup ça n'existe plus, il faut trouver des solutions en se rappelant qu'il est question d'humains, de familles, des gens. Il y en a qui ont hypothéqué leur maison. Hypothéqué leur maison pour s'acheter ce permis-là, que le gouvernement arrive et dise zéro. Il est décédé deux fois. Le premier décès, c'est à cause de son cancer, puis le deuxième, c'est à cause de ce projet de loi. Donc, on va se donner un gouvernement efficace, humain. Bonsoir, M. Bonnardel. Mon nom est Jonathan. Je suis chauffeur de taxi à la Coop 5-1-1 depuis maintenant un an et demi. Je suis un ancien chauffeur de Uber. J'ai fait Uber pendant 2 ans de temps. Puis, savez-vous ce que ça m'a amené de faire Uber pendant 2 ans de temps? Ça m'a amené à acheter ma licence de taxi. Parce que Uber, là, on n'en vit pas. On survit. Comme il se doit. On va lui donner tous les outils, l'allègement réglementaire, administratif. Il ne faut pas oublier que la classe 4C, c'est terminé. La plaque T, comme on la connaît, c'est terminé. C'est 1 000 de plus. La demande d'autorisation à la CTQ, c'est 109 c'est terminé. Là, vous nous arrivez avec ça. Vous dites, « Hey, la petite famille, ainsi que toutes les autres familles, votre 140 000 $ là, il vaudra plus rien. Ah, je vais vous compenser. Hey, on n'est pas des attardés mentaux, on sait calculer, nous autres, là. Le meilleur que tu vas nous donner, c'est 77 000 $ ou 75 000 $ pour couvrir une dette de 140 000. C'est rire de moi, ça! Puis tu viens me dire à la télévision que t'es sensible à mon cas! Wow! Hey! Dire que j'ai voté pour toi! Moi, c'est fini. Je suis fini. On va travailler pour tous les Québécois. Il ne peut pas qu'il y ait une loi qui est contre les familles moyennes, les familles québécoises qui travaillent fort. On va travailler pour tous les Québécois. Ça se fait pas, ça. Il y a des gens qui doivent encore 70 000 $ Ils ont payé leur permis 215 000 à Montréal. Puis là, il faut qu'ils remboursent le 70 000 restants. Mais le véhicule ne vaut même plus ça. La proximité, c'est essentiel. J'ai reçu 1 000 par permis. 1 000 ça veut dire que j'ai reçu 5 000 $ pour la première de 150 millions. Combien vous les avez payés, vous, vos permis? J'ai payé le premier 120 000, puis le dernier, j'ai payé 140 000. J'ai reçu 5 000 sur 750 000. Donc, on va se donner un gouvernement efficace, humain. Une semaine jour pour jour avant que le ministre François Bonnardel dépose le projet de loi 17, Asma Siouda et son mari célébraient l'achat d'un permis de taxi. La joie était de courte durée. Il a tué tout.
tout en nous. Tout. Tout. J'ai fait beaucoup d'économies, j'ai travaillé fort pour arriver. Finalement, il me dit, je m'excuse, c'est dans la poubelle. Oui. Donc, on va se donner un gouvernement efficace, humain. S'il s'exprime avec aplomb devant les caméras, l'homme, originaire du Liban, avoue vivre beaucoup d'angoisse. Devant la déréglementation, il n'entrevoit pour seule option que la faillite. C'est question de 31 ans dans un pays que je travaille fort jour et nuit pour que je perde tout. Une journée puis le lendemain, comme ça, psh, monsieur, moi j'enlève votre vie. Le gouvernement doit être un gouvernement proche du monde. Le projet de loi 17, là, proposé par le gouvernement Legault, enfonce en fait le dernier clou de votre cercueil. De quelle manière, dites-nous? Oh, ça va mal, ça va mal. Regardez, jeudi soir, comme un membre du conseil d'administration de la Société haïtienne de transport a passé toute la nuit avec un chauffeur qui a fait une tentative de suicide, parce que lui encore, il a 178 000 dollars d'hypothèque sur son permis. Alors que j'ai l'intention de gouverner pour tous les Québécois. Tous les Québécois. Sérieux, ça. Un négociateur de bonne foi, un gouvernement de bonne foi, s'assoit avec les gens au lieu d'arriver puis leur garrocher un projet de loi qui est tout à fait injuste. Le gouvernement doit être un gouvernement proche du monde. Puis M. Legault, lui, il n'a pas de cœur, mais il m'a enlevé mon cœur. Lui, il n'a pas de cœur. Mais il m'a enlevé mon cœur. Un gouvernement qui a le cœur à bonne place. Bonsoir. Notre première nouvelle requiert une plus grande dose de prudence dans le traitement et vous allez comprendre très bien pourquoi. C'est un propriétaire de permis de taxi qui a posé un geste de désespoir. Ça s'est passé en direct à la télé ce matin. Et Camille, le geste était à ce point troublant que tous les moyens de pression des chauffeurs de taxi ont été suspendus. C'est très, très difficile. On ne dort pas. C'est vraiment très, très, très difficile. C'est très, très difficile. Ça prend vraiment des psychologues ou des gens qui vont nous soutenir ou quoi que ce soit là, parce que c'est nos familles maintenant qui sont touchées là. Nous, si on sort dans les rues, vous nous voyez comme ça là, il faut voir nos enfants, il faut voir nos familles, comment ils vivent maintenant là. Pour tous les Québécois. Tous les Québécois. Vous allez faire? Moi, quand je perds ma compagnie, la suicide. Pour tous les Québécois. Tous les Québécois. Là, c'est une figure de style. Là, vous exagérez un peu. Si je suis découragé à 100 %. On doit rester proche des préoccupations des Québécois. Nous sommes des familles ici, là. Nous ne sommes pas des étrangers. Pour tous les Québécois. Tous les Québécois. C'est un geste dramatique aujourd'hui qui s'est déroulé ce matin. Déjà, je peux vous dire que ça a bouleversé toute la communauté des chauffeurs de taxi. Un gouvernement qui a le cœur à bonne place. Mais... Lui, il n'a pas de cœur, mais il m'a enlevé mon cœur. Si vous aviez une chose à dire au ministre Bonnardel, qu'est-ce que vous lui diriez? Je vais le dire, c'est tout ça dans ses mains. C'est nos vies dans ses mains. C'est à lui de décider s'il va garder ma vie, s'il va me l'enlever. C'est la décision dans ses mains, c'est pas dans ma main. S'il m'enlève mon business, moi, ma vie est disparue. Je vous demande de sortir de vos bureaux, d'aller sur le terrain, de rencontrer, d'échanger avec les citoyens, avec les entrepreneurs, les enseignants. Doit être un gouvernement proche du monde. Justement, sur ce chauffeur, il est toujours à l'hôpital au moment où on se parle, mais sa vie est hors de danger. Tous les jours, je réitère l'importance de privilégier un dialogue ouvert afin d'assurer une transition harmonieuse. Mais un chauffeur de taxi a posé un geste de désespoir en direct à la télé vendredi matin, alors qu'il commentait le projet de réforme. C'est très, très difficile. On ne dort pas. C'est vraiment très, très, très difficile. Un incident dramatique qui a provoqué une onde de choc parmi les chauffeurs de taxi. Ma femme est tombée à terre, a pleuré et tout ça. Et surtout qu'on connaît cette personne. Je ne sais pas comment expliquer un peu notre peine et ce qu'on vit actuellement. Là.
Un gouvernement qui a le cœur à bonne place, mais... Un gouvernement qui a le cœur à bonne place, mais... La journée de mardi avait commencé de façon explosive à Québec. Les chauffeurs ont pris les grands moyens pour se faire remarquer. Afin d'assurer une transition harmonieuse, ils ont décidé de brûler leurs pantalons devant l'Assemblée nationale à Québec. Brûler la dernière chose qui leur reste, disent-ils. De chauffeurs de taxi, de propriétaires de permis qui se sont rassemblés ici, on sentait la colère, le désespoir de ces personnes qui craignent se retrouver sans le sou. Oui, je dirais que c'est une situation presque explosive. C'est un test réel là, pour le ministre Bonnardel. Afin d'assurer une transition harmonieuse... La semaine dernière, on a senti le désespoir de plusieurs chauffeurs de taxi. D'ailleurs, le propriétaire d'une vingtaine de permis y est allé d'un geste désespéré sur un de nos plateaux hier. Le gouvernement doit être un gouvernement proche du monde. Le couple a utilisé l'entièreté de ses économies et a même réhypothéqué la maison familiale. Et maintenant, cette maison, qui va la payer? Est-ce que je dois payer la maison ou je dois payer l'hypothèque du taxi qui n'existe plus? Leur détresse est grande. On ne peut pas s'exprimer. La douleur qu'on a, on a une douleur incroyable. Ce n'est pas un stress. C'est pire que ça. Moi, je ne dors plus. Moi, je suis vraiment choquée. Un gouvernement qui a le cœur à bonne place. Mais... Nous autres, qu'est-ce qui nous choque, c'est la manière sauvage qu'un gouvernement est en train d'agir envers des honnêtes citoyens québécois. Mensonge? C'est pas vrai! Hey, je m'en calisse-tu de ma plaque à 1000 places par année? Je suis en train de perdre 140 000 calisses! Je m'en calisse-tu de mon allègement fiscal? Va donc chier! J'ai plus de job à cause de toi! On va être dans la rue encore avec un enfant handicapé. J'espère que tu le vois, cette vidéo-là. J'espère que t'es sensible, comme tu as dit à la télévision, à ma misère. Pourquoi tu fais ça? Du taxi traditionnel, il y a ce geste désespéré, effectivement, qui a été posé un peu plus tôt dans la journée par un homme qui est détenteur de permis de taxi. Il a eu de nombreuses réactions. L'homme en question est lourdement endetté, au bord de la faillite. Et oui, on a déclenché tout de suite cette trêve au niveau des moyens de pression. Afin d'assurer une transition harmonieuse, les chauffeurs sont en colère et on sent clairement le désespoir de plusieurs d'entre eux. Surtout parce que la valeur de leur permis est en chute libre, ils sont en déplomb. Bonjour, ça va bien? Martin Leblond dit détenir 20 permis de taxi. Il est venu témoigner de sa situation financière précaire. Alors qu'on se parle, je dois à peu près 1,2 million avec FinTaxi et les caisses Desjardins populaires. Demain matin, je vais recevoir peut-être un chèque de 300 000, 400 000, mais il va rester 700 000 à 800 000 à couvrir. C'est sûr qu'ils m'ont ramassé toute la maison, toute. C'était impossible de recommencer, là. Or, à la fin de l'entrevue, il a posé un geste de désespoir. Par respect, nous ne rediffuserons pas l'incident malheureux. M. Leblond a été hospitalisé. On ne craint pas pour sa vie. Que j'ai l'intention de gouverner pour tous les Québécois. Tous les Québécois. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, là. Mais je pense que le cri du cœur était clair. Il faudra bien qu'à un moment donné, ce gouvernement-là soit un peu plus humain. Le chauffeur est toujours à l'hôpital. Sa vie est hors de danger. Si d'un peu partout en province se sont rassemblés à Québec en soutien au chauffeur qui a posé un geste de désespoir hier en direct à la télé. Les chauffeurs ont visité leur confrère qui a reçu son congé de l'hôpital où il était traité pour des blessures. Nos décisions, même si avec un beau tableau Excel, les statistiques, a toujours un impact humain au bout de cette décision. Et je ne pense pas que ça a été prise en considération dans cette loi-là. Donc, un gouvernement qui a le cœur à bonne place, mais... Et plus d'insécurité. Et l'insécurité amène les gens à voir le futur d'une manière plus sombre. Et complètement désespéré. C'est ce qu'on a vu ce matin avec ce chauffeur de taxi. Malheureusement. L'industrie du taxi a été annulée ce matin en raison d'un geste de désespoir commis par un chauffeur. Alexandra Duval, l'industrie du taxi est bouleversée et le centre de prévention du suicide a tenu à rencontrer les médias. C'est qu'on enlève 1,4 milliard de dollars d'actifs à 8 800 propriétaires de permis de taxi ici au Québec actuellement. C'est ce qui est vraiment la chose la plus incroyable. Là, c'est 10 ans de sacrifice pour les payer. Puis là, tout perdre à 42 ans, ça pourrait être dur à vraiment prendre. Un gouvernement qui a le cœur à bonne place, mais... T'es trahi. Trahi, c'est un très, très, très petit mot.
Et la valeur va tomber à être nulle. Ces gens-là conservent leur hypothèque de 100 à 150 000 à rembourser. Moi, je comprends leur réaction. Est-ce que vous en avez beaucoup de ces gens-là? Vous avez de nombreux cas ou si c'est quelques cas seulement? Non, on parle de milliers de personnes. Là. Ah oui? Quand même, ouais. Ah oui, tout à fait. C'est pas juste chez Desjardins. On parle de 8 000 chauffeurs de taxi qui, aujourd'hui, ont soit une hypothèque pour payer un permis de taxi ou sinon ont un permis de taxi parce qu'ils ont travaillé très fort pendant des années. C'était leur fonds de pension. Ils pensaient un jour vendre ce permis de taxi-là et pour faire un peu leur fonds de retraite. C'est quoi? Vous ne parlez pas des valeurs des permis, s'il vous plaît. Vous me donnez 30 000. J'ai une dette de 120 000. Honnêtement, c'est un non-sens total. Et j'entends le ministre dire toute son empathie. Moi, j'ai de l'empathie pour ces chauffeurs-là, mais je vais vous dire une chose, ce serait temps qu'on ait un gouvernement au Québec qui se tient debout face aux gens qui ont décidé qu'ils ne respecteront pas la loi sur les taxis comme Uber. Ouais, mais... Moi, c'est fini. Je suis fini. On doit rester proche des préoccupations des Québécois. Moi, j'ai 62 ans, il ne me reste pas grand-chose. Mais quand je serai dans... ma pension, comment je vais vivre? Et il y a des milliers de familles qui vivent de taxis. CAQ a fait un projet de loi qui a comme mis la valeur de taxi de votre père qui a travaillé pendant toutes ces années dans la poubelle. Qu'est-ce que je dois... Je veux que lui réponde comment je dois expliquer à mes enfants plus tard.